Bon, là on est actuellement à la deuxième partie, alors je vais être franc déjà, je n'étais pas censé passer par là. Du coup, si jamais il n'y a pas de screen de map, c'est logique, hein, si j'ai pas eu le temps d'aller les chercher. Ok, les travaux c'est super. Donc là on est à peu près à froid. Alors, voilà. Ouais, alors ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits, hein, c'est les gravillons. En tout cas, je sais pas si vous les entendez parce que moi je les entends. Hein. Je les entends perso. Ok. Ouais, c'est. On va regarder aussi, voilà, petite vidéo pendant les travaux, ça. Ça passe. Techniquement, il y a mieux. Mais ça passe. Par contre, je pense que je vais devoir mettre un gros carré. Un gros carré là pour éviter qu'on voie. Merci. Oula. Excusez-moi, ça c'est les capteurs de ma voiture. Merci. Ok, mais lui j'aurais pas le flouté. C'est passé, mais vraiment compliqué les rétros. J'aurais dû les ramattre. Là, je vais juste devoir vous dégoter un petit screen de map parce que. Mais moi, je sais pas exactement où je suis. Enfin, je suis mon GPS, c'était le mouton de panure. En quelque sorte. Alors, je fais une grosse dédiée à des amis qui m'ont sorti cette expression. Une grosse dédiée. Bon, là, on va aller tranquillou dans les montagnes. Je pense que pareil, je vais prendre une quinzaine de minutes. Pour faire un truc correct, donc comme dit, je vous ai dit une heure plus tard, mais là normalement ça, j'ai pris une heure. Juste on change ça. Voilà. D'ailleurs, si vous reconnaissez certaines chansons, vous me le direz. Alors, je pense que je vais essayer de dissimuler une vidéo playlist dans un car bloc. Je vais essayer de dissimuler. Ce sera pour cet été. J'essaierai de vous dissimuler ça. De mettre l'un dans l'autre. Quoi. Genre, je vous ferai un car bloc. Mais derrière, ce sera en même temps une playlist. Donc là, on est toujours le 2 juin. Hein, si vous voyez la partie, si vous avez vu la partie 1, vous savez. Compliqué, d'habitude je plombe ma vidéo au jour le jour, mais là ça peut être un peu plus compliqué. Bon, après j'ai pas non plus lancé un rythme de vidéo, là c'est vraiment parce que j'en ai trois, j'ai trois rushs à truc, du coup je le ferai comme ça parce que j'ai trois rushs à plomb de bas. Ouais. Ok, non. C'est pas grave. Bon, par contre, là normalement j'ai baissé la radio. Si je me fais des. Si je me fais strike, je vous le dis, ça va pas le faire. De toute façon, je m'en fiche, mais en fait, bon, dans ça c'est pas si mal. Comme ça, on sait quelle musique j'écoute. C'est pas si mal. Mais voilà, c'est assez con. C'est assez énervant. Parce que. Un des seuls vlogs où je me suis pas fait démonétiser, c'est le 3. Parce qu'il n'y avait pas de radio. Forcément. Juste, je vais checker si j'ai du réseau. Petit téléphone, allume-toi. Ouais, ça passe encore. Et je regarde au cas où, on est en montagne. Alors, pour ceux qui m'ont demandé, parce que on est à 490 mètres d'altitude. Ceux qui demandent, hein. Mais vous allez avoir du plus haut, hein. Pour ceux tous qui veulent de l'altitude, vous allez en avoir. Je vais vous servir. Je me suis cru dans un restaurant. En plus, les restaurants ils ouvrent aujourd'hui. C'est quoi ça? 350 mètres, première sortie. Franchement, c'est série. Là, c'est trois blancs. Je les appelais les vidéos du fou rire. Allez, nous rentrons dans l'Oubance. Petit panneau. Parce que je sais pas si on voit bien les panneaux, hein, comme dit là, certes je filme, mais bon, je fais pas attention à la caméra, je fais plus attention à la route.
c'est normal, hein. Je vais pas me planter à cause de mes vidéos, hein. Ça c'est hors de question, hein. Moi avant tout, les vidéos, en premier lieu je les fais pour moi, après quand même je les mets sur YouTube parce que quand même ça plaît, je trouve. C'est le type de vidéo où je me suis pris pas mal de likes. Je crois que le plus haut que j'ai eu c'est le 4. Parce que le 4 je l'avais super bien travaillé. Du coup j'avais eu, je crois, 60 et quelques. Je vais demander à Déborah. Tu peux me regarder les vues s'il te plaît? Elle est en train de me les voir, hein, donc voilà. Ça va être. C'est un truc à coup de fraîche, je m'y attendais pas. Donc, celui qui a fait le plus de. Ouais, c'est le 4. Elle est en train de me dire, ouais, c'est le Carvlog 4, 44 vues. Et 4, 44. Vous avez compris, j'espère. Après 350 mètres, tournez à droite, D919. Taisez-vous, vitesse libane, Sophia Reyes, non, Eddie Golding. Oh, on va mettre du Rimka. Hein, ça fait longtemps qu'on s'est plus mis de Rimka. En tout cas, en vidéo, la dernière fois qu'on se l'est fait, il me semble que c'était en live. Alors, ça boule. Ah non, non, bah. Il va nous faire passer par le mal d'asile. Ça va être cool, ça. Je vois rien. Ok, c'est bon. Donc, on est à. Ah, pardon. Ouais, voilà, j'avais à sortir cette. J'étais en train de réfléchir, tu me l'as sorti, ça c'est cool. Kilomètres, elle va nous faire tourner où? Ouais, nickel, RD31. Non, normalement, j'espère qu'on va passer dans le Madasi là, parce que normalement il y a une route en fait qui traverse la grotte. Franchement, ce serait super, ce serait vraiment superbe. On traverse le Madasi, c'est que je l'ai fait à pied moi, il y a déjà 6 ans, ma femme et mon fils, on l'avait fait ensemble et on s'était bien amusé. Franchement, on avait fait le truc à visiter, on avait fait également bon, bien sûr la grotte en elle-même, on avait tout traversé. On était vraiment bien. Pardon. Celui-là j'ai galéré à le sortir, hein. J'étais là en mode. Non, j'ai eu l'inspiration. Pourquoi j'ai dit ça moi? Non mais les clichés, je vous parle de mon rotas et je suis obligé de me sentir avant de imagination débordante dans tous les sens. On va se calmer. On va se calmer un petit peu. Alors que là je tiens plus en place. Hein. Je vous le dis, si jamais je sors des Dark Hat, tout va, c'est normal. Depuis ce matin, je suis insupportable. J'espère que je suis insupportable, mais je suis fou. Je me demande dans une de ces Dark Hat. Ok, non, c'est pas ça. Ok, waouh. Caso, c'est pas en Gironde, ça. Dites-moi ça. Il me semble que c'est aussi du côté du bassin d'Arcachon, hein. Entre Arcachon et Biscarrosse, il me semble. J'ai des doutes. Mais il me semble. Hein. Je l'ai déjà fait. En tout cas, c'est sympa. Franchement, cette route, il me semble que je l'ai jamais faite. Mais je sais pas. Je sais que je l'ai jamais fait, mais dans un autre sens, ça me sonne. Non. Merci. Ah, je sais. C'est parce que c'est un pote à moi qui me l'avait blogué. C'est peut-être pour ça que ça me dit quelque chose. C'est un ami à moi qui me l'avait blogué. Alors c'est pas ses rushs, hein, vous inquiétez pas, c'est les miens là
caméra qui s'arrête. Ça, c'est super. Elle est où, attendez. Ok, je m'ai trompé de bouton. Bon, ça, celle-là, je vais pas vous la mettre en vlog. Alors, à cette Niska, tiens, Niska, ça fait longtemps. En tout cas, en vidéo, hein. Et moi, je me l'écoute pas mal de fois. Mais là, non, après 500 mètres, tournez à gauche, D31, rue des Parents. Ouais, on va partir direction Gabre-Aigues-Joint. Bon, là, j'ai pas vous dire, normalement, les panneaux, ils sont assez gros pour vous. Bon, par contre, tous les camions qui voulaient passer, hant à vous. Ah, mais à un moment, presque. On était tellement sur cette route que moi, je me suis dit, attends, on va remonter sur Toulouse ou quoi? Donc, oui, pour ce qui demande, cette route, elle fait Toulouse. Oui, oui. Je sais pas pourquoi j'ai failli dire. La plus grosse bourde de ma vie, sûr que Yana il m'aura insulté dans les commentaires. Alors. Eh ben, c'est à eux, toi. Ouais. En plus, un parisien. Lui, il est pas loin, j'ai 100 km. Non, alors, bah. Je vais arrêter cette blague. Cette blague, je vais vous le faire dans une vidéo qu'en fait j'ai supprimée parce qu'elle était dégueulasse. Et surtout très peu intéressante. Ouais, je l'ai supprimé, mais j'avais fait cette blague, je l'avais faite le 13 mai cette vidéo. Mais voilà, quand j'ai préparé tout, parce que quand même j'ai pris du temps. Hein. Faut pas oublier que lorsque là je vais mettre la map et tout, pour 30 minutes de vidéo, il m'a fallu une heure de préparation derrière. Hein. Entre préparer, voir les villes et tout, je connais un endroit, mais voilà, pour préparer et tout, pour vous donner 2-3 informations. Pour vous sortir les maps, vu qu'il y a 3 photos à chaque fois. De toute façon, normalement, vous avez vu dans la partie 1, j'ai mis 3 photos. Non, il veut pas sortir. Sortir, bon, ça aurait fait un truc à la comme le Carflo 4, hein, je sais pas si vous en rappelez. Ça me fait très mal, mais à un moment j'ai fait flipper mes potes en fait. Bon, je leur ai fait voir la vidéo vu que je leur fais voir un appel. À nouveau, une troisième fois, on sort du Madassé. Franchement, je suis content. On est à l'entrée de la grotte. On va la traverser. Franchement, je suis hyper content. Je voulais vraiment le faire. J'ai espéré. C'est bon. Mon GPS en a bien décidé. Comme ça. Ouais, comme vous pouvez voir, regardez. Allumez vos feux. On est presque. On y est presque. Hein. On va traverser tout le flanc de montagne à droite. Voilà. Toujours sur la clé USB. D'ailleurs, ça peut se visiter à pied, hein. Je vous dis, parce que moi je l'ai déjà fait à pied, je suis carrément allé jusqu'au village une fois. Ça remonte à un peu longtemps, je vous l'ai dit, il y a 6 ans. Et là, boum, on rentre. C'est un peu insane, j'avoue. C'est assez bas, j'avoue, mais c'est cool. À droite, vous pouvez voir le musée. Je me prends comme un petit guide touristique, moi. Après, on voit le musée, sur moi ça, et devant la caméra, il y a le route 31 qui fait son intéressant. Voilà. Bon, ici, c'est cool parce que c'est éclairé, en tout cas. Franchement, je crois que je devais activer le mode nuit, mais en tout cas, non, c'est éclairé. Pourquoi ça m'arrange. Et hop, là, sortir de... On sort et voilà, franchement, c'était... une petite ellipse que je voulais vous filmer parce que je trouve ça super sympa.
pense que je vais recouper à nouveau. Parce que là, j'ai, d'après ce que je vois, il y a presque une vingtaine de kilomètres à faire en off. D'ailleurs, vous pouvez regarder aussi sur internet les endroits que je coupe.